Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au projet et l'émission de Mamie Twink, le retour à une petite FAQ pour répondre à toutes les questions qui ont été posées au sujet de ce financement participatif du financement Ulule. Et je vais commencer avec la toute première question. Mamie, les vidéos seront-elles disponibles en VOD ? Eh bien oui, les vidéos seront disponibles en VOD, bien évidemment les replays de chaque émission seront mis en ligne sur YouTube afin que ceux qui n'auront pas pu être là lors de l'émission en direct puissent les revisionner et puis même ceux qui auront assisté puissent les revisionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Voilà, tout simplement. Et puis il y aura une playlist avec toute la saison entière comme pour l'émission de Mamie Twink première génération. En quelle taille seront disponibles les t-shirts inutiles donc indispensables? Eh bien, ces fameux t-shirts « Je suis inutile donc indispensable » iront de la taille XS à 2XL. Sachant que ça taille en européen. Voilà, tout simplement pour répondre à la question. Mamie, les colis seront-ils envoyés partout dans le monde? Eh bien oui, on enverra les colis à tout le monde, que vous soyez en France, Belgique, Suisse, Canada ou même sur Saint-Pierre et Miquelon. Bon, j'ai encore jamais eu à envoyer un colis là-bas, mais on sait jamais, ça serait peut-être une première. Tout le monde pourra obtenir son super t-shirt inutile, donc indispensable, ou bien la photo dédicacée ainsi que les stickers dédicacés. Vas-tu faire toutes tes vidéos dans le studio Mamie Twink? Eh bien, en majeure partie, oui. En dehors des émissions, comme le studio Mamie Twink deviendra également mon bureau Mamie Twink, ce sera mon bureau officiel, j'y serai là tous les jours, eh bien, je réaliserai également d'autres vidéos, peut-être pas toutes, parce que des fois, j'en fais à 1h du matin quand je découvre un nouveau patch, CF cette nuit, quand j'ai tourné cette vidéo. Mais oui, la plupart des vidéos, oui, elles seront tournées dans le magnifique studio Mamie Twink, donc vous aurez ce cadre magnifique pour toutes les autres vidéos, d'où l'intérêt de créer ce studio. Tout sera encore plus pro. Quand est-ce que les goodies seront-ils envoyés? Eh bien, pour répondre à votre question, normalement, vous avez dû déjà avoir l'information en faisant votre petite contribution. Ils seront envoyés en novembre. Le projet Ulule prend fin mi-octobre et on enverra des goodies en novembre. Alors, on ne sait pas encore début, mi ou fin. C'est le temps qu'on récupère toutes vos adresses, également toutes les tailles. Pour les t-shirts, on vous enverra un formulaire à la fin pour vous demander est-ce que vous voulez un XS, SM, etc. Et puis pour avoir votre adresse, ça prendra un peu de temps sans doute. Mais voilà, attendez-vous à avoir votre super colis en novembre. Pourquoi faire un studio en 4K? Eh bien, question tout à fait pas épineuse, j'allais dire, mais un peu plus technique pour vous répondre. Vous avez été très nombreux à nous parler de ce studio 4K et je vais vous expliquer tout ça du mieux possible, le plus clair possible et le plus transparent possible, bien évidemment. Alors pourquoi partir sur le principe de la 4K si en général personne n'a de... très peu de personnes ont une connexion pour le lire. Bien, faut savoir tout d'abord, le fait d'avoir un studio en 4K permet d'avoir une meilleure 1080p. C'est-à-dire, si la source à la base, donc la source du 4K, est de meilleure qualité, et bien même en compressant la vidéo que vous allez lire, la définition de l'image sera meilleure, puisque la source à la base sera meilleure. Ainsi que les contours, alors le contour autour de moi, sur le fond vert sera également meilleur. Donc l'incrustation, c'est difficile comme mot, l'incrustation, j'arrive pas à le dire, et bien sera meilleur et donc vous aurez vraiment l'impression d'être en Azeroth. Alors bien sûr, les streams en 4K c'est pas encore possible. Sur YouTube on peut déjà uploader des vidéos en 4K. Bien sûr, tout le monde n'a pas la connexion pour regarder en 4K, mais quand vous regardez une vidéo, vous pouvez choisir votre qualité. Et puisque la source sera meilleure à la base, et bien votre 720p, votre 1080p sera meilleur. Et puis ça nous permet de nous projeter vers l'avant. Oula, pauvre tableau. Ça veut dire que si dans 2 ans le 4K devient un format que tout le monde peut regarder, et bien on aura déjà le workflow. C'est pas indispensable pour lancer l'émission de Mamie Twink, ça c'est clair. Et bien il fallait bien avoir un palier au-dessus du légendaire. On s'est dit pourquoi pas opter pour le 4K qui permet effectivement d'avoir une meilleure définition d'image, une meilleure incrustation sur le fond vert et surtout se projeter vers l'avant. Puis bon, vous êtes déjà nombreux à me poser « Mamie, qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 15 000 euros? Quel sera le palier supérieur ?» Bien déjà, là, on est allé chercher le palier
4K. Imaginez-vous ce que ce serait au-dessus. Il fallait avoir un palier au-dessus. Je ne dis pas une nouvelle fois que c'est indispensable, mais ça permet d'améliorer l'émission. Voilà, pour répondre, j'espère que vous aurez tout compris à cette question un peu plus technique. Eh bien, nous voici déjà arrivés à la fin de cette FAQ dédiée à l'émission de Mamutwink, le retour. On n'avait même pas pensé à tourner d'outro. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous retrouve très prochainement pour de nouvelles annonces au sujet de ce fabuleux projet, puisque, eh bien, demain, lundi 25 août, on partira dans le studio, commencer à bricoler les premières choses, installer l'estrade, peindre les murs, bref, que de choses excitantes. On se retrouve très prochainement pour des vidéos 100% déco. Allez, bye bye bye.